Comme de nombreux geeks, Elon Musk n'est pas étranger au monde du jeu vidéo. Pendant sa relation avec Amber Heard en 2017, ce dernier affectionnait particulièrement Overwatch. Un jeu de combat doté de plusieurs personnages dont Mercy, un ange robotique aux cheveux blonds, à la ressemblance troublante avec sa petite amie. À l'occasion de la parution d'une nouvelle biographie sobrement intitulée Elon Musk. Paru le 12 septembre et qui évoque justement cette période, l'homme d'affaires n'a pu s'empêcher de replonger dans les souvenirs de cette période. Au lendemain de la sortie de l'ouvrage, il a ainsi publié une photo de son ancienne compagne pratiquant le cosplay, soit le fait de se déguiser en personnage de manga, de dessin animé ou de jeu vidéo. Musk lui a dit qu'elle lui rappelait Mercy, son personnage préféré dans Overwatch. Elle a donc passé 2 mois à concevoir et à commander le costume de la tête aux pieds pour pouvoir jouer le rôle pour lui, révèle le biographe. Comme le rapporte Kotaku, média spécialisé dans les jeux vidéo. Depuis sa diffusion, la photo a provoqué de vives réactions parmi les 156 millions de followers d'Elon Musk sur X, ancien Twitter. Il faut dire que l'interprète d'Aquaman y apparaît face caméra dans un costume blanc doté d'ailes métalliques, d'un casque à halo doré et d'une robe très échancrée. Elle s'est déguisée en Mercy. C'était incroyable, se remémore Elon Musk. Et sa communauté de réagir par des commentaires quelque peu sexistes, on dirait une photo X, personne ne s'amuse plus avec le pouvoir qu'Elon. C'est exaltant. Cette publication survient après le tollé créé autour de la parution du dit livre. En effet, le journaliste Walter Isaacson y révèle que la famille du patron de Tesla ne pouvait en réalité supporter la comédienne. Son frère et ses amis la détestaient de toute leur force, écrit-il. Pointant du doigt une relation toxique et infernale, les proches de l'homme d'affaires reprochent à son ex-petite amie d'avoir entraîné Elon Musk dans un vortex noir, qui a duré plus d'un an et occasionné une profonde douleur, qui perdure encore. Le couple s'était rencontré une première fois en 2013, dans le long-métrage Machete Kill. Un an plus tard, tous deux s'étaient revus dans les locaux de SpaceX. En 2017, alors qu'Amber Heard venait de demander le divorce avec Johnny Depp, ils officialisaient leur relation. Avant de rompre l'année d'après.